Bonjour et content de vous retrouver dans Passion Autosport du Var pour un nouveau reportage. Alors aujourd'hui, c'est le rêve américain. Nicolas. Salut Mathieu. Écoute, bienvenue dans Passion Autosport du Var. Je suis vraiment content de te recevoir. Alors la Corvette mythique, donc la voiture américaine dans toute sa splendeur. On va faire un petit retour donc sur l'univers de Chevrolet Corvette. Alors première Corvette produite en 1953. Tout à fait. Alors une voiture innovante à ces années-là parce qu'en fait elle a été produite sur la base d'un concept car. Et ce qui était encore plus innovant, c'est que tout ce qui était carrossier était en fibre de verre, si je dis pas de bêtises. C'est vrai. Alors ensuite, il y a eu plusieurs appellations, donc de la C1 à la C7. Alors on va pas revenir sur les dates parce que j'aurais peur de me tromper. On va dire C1, donc des 53 jusqu'aux années 60, C2 des années 60-70, C3 jusqu'aux années 80, C4 jusqu'aux années fin 80 peut-être, ou 90. Tout à fait. Et après, la C5, donc la tienne. Alors, l'américaine, le V8 ou le passionné de la voiture? Ah bah écoute, un peu des deux. Le V8 m'a pris quand un copain est venu un jour à la maison avec une Mustang. Et quand j'ai entendu ce bruit-là à côté du garage, je me suis dit, il me faut quelque chose qui fasse du bruit comme ça. Tu vois, c'est un petit truc de gamin, on est tous des enfants. Et le gros plop, 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 ça m'a tout de suite séduit. Et pourquoi la Corvette? Parce que dans les moyens que j'avais, ça c'est un véhicule qui s'est imposé tout de suite de par sa ligne. Son agrément de conduite et de sa sportivité. Voilà. Alors l'américaine concrètement c'est quoi alors? Alors écoute Mathieu, l'américaine c'est un concept simple, c'est du fun et du bruit. Voilà, c'est vraiment le truc. Oui. La main sur la portière. C'est ça, ça doit être accessible à un maximum de personnes et en tirer un plaisir immédiat. Donc c'est l'esprit américain dans la conception des V8, muscle car et sport car. Après voilà. C'est vrai que c'est une voiture, on n'en voit pas tous les jours non plus et elle est vraiment imposante, elle est énorme. Donc toi c'est... On revient sur le truc, c'est une C5. Alors, la C5 a été produite de quelle année? À partir de quelle année? La C5 est sortie en 97 et ils ont arrêté la production, si je ne me trompe pas, en 2004 pour être remplacée par la génération d'après. Et donc, il y a énormément de choses qui ont changé? Pas trop. L'affichage tête haute est arrivé en 98 et le moteur a eu une petite mise à jour, il me semble, à partir de 2002. Donc, bon, de toute façon, nous, c'est la C5 qui nous intéresse, ton modèle qui est de 2000. Et ben, je voudrais que tu me la fasses découvrir plus en détail. Eh ben, avec grand Allez, plaisir, c'est parti. Mathieu. Alors Mathieu, tu vois, le premier truc là sur cette voiture, c'est que c'est la dernière qu'ils ont produite avec les feux escamotables. Et c'est un petit côté rétro, moi, que j'aime bien. Je te propose qu'on jette un petit coup d'œil à ce que nous font les Américains en matière de V8. Et le principe d'une voiture américaine, dans son état d'esprit, c'est de prendre un moteur de poids lourd et de le mettre dans une voiture qui pèse 1400 kg. Pour eux, c'est ça une voiture de sport. Donc on se retrouve avec un small block, qui est en fait un moteur allégé en poids d'une cylindrée de 5,7 qui va nous développer 344 chevaux. Comme tu vois, ils ont prévu beaucoup de place de façon à ce qu'on puisse mettre les mains dans le cambouis dans le cadre de l'entretien. Alors, une autre innovation sur cette génération de Corvette vient de l'arrière qui, outre évidemment les pots un petit peu m'as-tu vu, cache la boîte de vitesse. Et Chevrolet a fait ça tout simplement pour améliorer la répartition des masses afin de commencer à venir concurrencer les européennes sportives sur le comportement de la voiture qui est très sain. On n'est pas encore évidemment au niveau des Porsche
ou autres voitures de cette catégorie-là, mais de nets progrès ont été réalisés en matière de sécurité et de comportement routier depuis la quatrième génération. Alors Mathieu, un autre petit truc sympa, une nouveauté dans cette génération, c'est l'apparition donc du HUD qui va t'indiquer la vitesse, ton contour et une autre donnée du type la pression de ton huile ou ce genre de choses-là directement dans le pare-brise. De série depuis 1998. Et ça, je peux te dire que c'est juste formidable parce que tu ne décroches plus jamais les yeux de ton pare-brise. Nico, hein, j'ai bien vu cette petite Corvette, mais maintenant j'ai envie d'aller faire un tour aussi avec. Écoute, alors on y va ? C'est parti. Allez, hein. C'est parti. Oh punaise, et je vais monter dans une américaine qui fait combien de chevaux ? 344. Ma 205 GTI à côté, elle te met la race. Pour sûr. Voilà dans cette superbe Corvette C5. Alors fais-moi faire un tour. Allez, je veux l'entendre ce V8 moi. On va faire un petit tour. Alors je sais pas si à la caméra on l'entend. Après c'est vachement bien insonorisé par contre. Tu vas voir que ça dépend des moments. Ouais. Donc alors déjà, premier abord, j'adore l'intérieur, il est épuré. Enfin, on retrouve des matériaux qui sont quand même de très bonne qualité. C'est parfait. C'est vraiment la belle américaine. On passe au McDo chercher un menu best of Big Mac. C'est parti. Parce que je vois que les ceintures, c'est pour les obèses. Allez, fais-moi rouler dans cette Corvette. Allez, on roule. C'est vrai que c'est vraiment, t'as le son dedans, c'est nickel et c'est confortable. On sent qu'elle veut pousser mes mères quand même. Alors ça s'explique par le fait, Mathieu, qu'on est sur une boîte auto qui est sur 4 vitesses. Ça paraît court, mais du coup la voiture, quand tu roules normalement, roule à 1000-1500 tours minute maximum. Et dès qu'on appuie un petit peu, oh putain. Elle demande que ça. Alors ce qui est même, pour une boîte auto, elle est quand même très réactive. Hein. Elle est précise, enfin ça a l'air d'être précis. La boîte est assez bien réactive. Il y a quelques propriétaires qui la refont programmer, mais moi je ne vois pas trop. Après, la voiture est très lourde, je pense. La voiture fait 1400 kg. Ah bah tu vois, je pensais déjà plus alors. Hein. Comme on n'a que deux sièges, vois-tu, et que les matériaux sont assez légers, on oublie un peu le luxe qu'on va trouver dans une voiture haut de gamme. Pour obtenir en contrepartie une certaine efficacité. En tout cas, moi j'adore le confort dedans. T'es super bien installé. Donc, comme tu disais, c'est une voiture en fait. Alors, sportive, je sais pas. D'après toi, tu la mettrais dans quelle catégorie ? Moi, je pense qu'on est dans du grand tourisme. Tu vois, où tu as envie d'une voiture confortable pour faire 2, 3, 400 bornes. Tranquillement installé, de la balade, et de temps en temps, quand tu as envie d'appuyer, il y a du répondant. Au départ de péage, il y a du répondant, tu surprends énormément de monde. Mais de là à vouloir faire la course ou à l'utiliser en circuit, je pense qu'il faut avoir des notions de pilotage assez élevées parce qu'elle peut être très joueuse. Tu trouveras beaucoup de véhicules sur le marché qui, eux, sont bien plus performants, évidemment, au niveau de la tenue de route en conduite vraiment très sportive. Donc malgré que tu y es très attaché, t'aimerais peut-être justement partir sur un autre projet. Alors écoute, oui, moi je suis un gars à projet, ça fait quelques années que j'ai celle-ci, elle m'apporte énormément de plaisir.
problème, tu vois, c'est que j'ai deux enfants et deux places. Et qu'on ne peut pas les mettre à l'arrière. Et ils commencent à avoir un âge, chez deux petits, où la voiture de papa, ils aimeraient bien rentrer dedans. Et ça m'embête de ne pas leur faire profiter et partager ma passion. Donc alors officiellement, elle est en vente. Donc j'ai décidé de m'en séparer à contre-cœur, mais pour mener à bien un autre projet qui va porter sur la marque du Trident, qui produit également un V8, parce qu'il n'est pas question de produire autre chose qu'un V8. Il nous donne des indices là. Et c'est une voiture qui a été produite dans les années 2002 à 2004, donc à 2006 pardon, donc tu vois on est dans la même gamme, qui sort un bruit très sympathique. Et j'espère qu'on aura l'occasion de faire un petit reportage dessus, je pense qu'elle te plaira. Eh ben écoute, alors on dit la marque ou pas? On peut dire la marque, oui. Bon, allez, je te laisse officiellement l'annoncer. Officiellement, ça sera donc normalement une Maserati coupée 4200, équipée d'un moteur Ferrari, 8 cylindres, et c'est le moteur qui a servi de base à la 360 Modena. Donc, bah alors on aura l'occasion de retrouver Nico avec cette Maserati dans Passion Autosport du Var. Bon allez, avant que tu la mettes en vente, par contre fais-moi gueuler un petit peu ce véhicule. Allez, bon, allez, encore un petit peu. Oh, j'adore. Je sais pas si vous entendez, mais... Et ça pousse, hein. Oh, oh, oh. La bombe. Bon Nico, bah écoute, ça a été vraiment un grand plaisir de te recevoir dans Passion Autosport du Var. Eh ben c'est... Merci de m'avoir fait partager ta passion pour l'américaine. Je suis impatient de te revoir donc pour le prochain projet, la Maserati. Oui, on sait jamais. Et puis prends-en soin, puis ben si on la revoit plus, ben qu'elle en fasse que le futur propriétaire en fasse un très bon usage, et je pense que tu en auras des nouvelles. Ben j'espère bien. T'as déjà quelqu'un dessus? Oui, j'ai quelqu'un dessus, mais bon, jamais n'est rien. Bon bah alors s'il aura l'occasion de voir cette petite vidéo, vous faites une affaire, elle est magnifique. Allez, merci pour tout. Merci Mathieu. Merci d'avoir suivi ce reportage. Salut, je vous retrouve la semaine prochaine. Alors, c'est pas sûr encore, il y aura sûrement une Clio V6, mais ça, c'est encore sous réserve. À bientôt et merci d'avoir suivi ce reportage dans Passion Autosport du Var. Ciao.